sich heute noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. En lisant dans le Vieux Testament, dans l'Ancien Testament, nous découvrons des coutumes et des traditions du peuple juif, du peuple d'Abraham, qui sont identiques et qui sont les mêmes parmi notre peuple aussi. Alors nous croyons que nous avons beaucoup de communs avec ce peuple de Dieu qu'on appelle le peuple israélite. Notre peuple, que le peuple juif, a toujours eu une route parallèle, mais qui allait toujours dans la même direction. D'où ils viennent. Il y a toutes sortes de théories, toutes sortes d'histoires. On nous dit qu'ils viennent d'Inde, on nous dit qu'ils viennent de je ne sais pas où, on nous dit qu'ils ont des langages qui sont proches de celui du grec, du sanskrit, de l'iranien. Mais quelque part, on voit que ce peuple, on ne sait pas grand-chose sur ce peuple. Et même le peuple tzigane, lui-même, les gitans, ne savent pas grand-chose. Ils ont, vous avez des coutumes, vous avez un langage, une identité, mais pas beaucoup de mémoire. Vous n'avez pas beaucoup de mémoire. Vous avez pas, on ne sait pas d'où vous venez, on ne sait pas qui vous êtes. Quand on regarde sur Internet, quand on essaie de savoir qui vous êtes, on ne sait pas trop qui vous êtes. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire, ça va se passer en deux temps. Pour comprendre qui vous êtes et comprendre ce qui s'est passé il y a plus de 2500 ans, 2700 ans, parce que c'est à peu près à cette époque-là que commence à se former le peuple de vagabonds que vous allez devenir. C'est pour comprendre ce qui se passe, il va falloir enquêter. Comme en archéologie, quand on enquête en Égypte, quand on essaie de creuser dans le sable, on y va tout doucement avec une plume, tout doucement. Et bien là, c'est la même chose qu'on va faire, mais dans nos textes. On va creuser dans les textes pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut comprendre de vous à travers ce qui est écrit entre les lignes dans le Tanakh, qui est l'Ancien Testament. On va essayer de comprendre comment lire ces livres, comment les comprendre de façon à pouvoir comprendre ce qui vous est arrivé. Parce que si vous êtes une partie de nous, si vous faites partie du peuple d'Israël, automatiquement vous devez apparaître dans ces textes. Et vous apparaissez dans ces textes. Donc, la première des choses qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer à essayer de comprendre comment lire.
vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes sur la plage et que vous voyez la mer. Vous ne voyez pas de poisson. Ça veut dire qu'il n'y a pas de poisson. Il y a des poissons. Comment on fait pour voir des poissons? Il faut plonger. La même chose dans la Torah. Quand on lit la Torah en surface, d'abord si on lit en hébreu, il y a beaucoup d'anomalies, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques et on ne voit pas grand-chose. Il faut plonger dans les textes pour comprendre ce qui est écrit. C'est d'ailleurs ce que les sages d'Israël nous disent. Ils nous disent que, en fait, la Torah, ce n'est pas les lettres noires qui est écrit sur le blanc, c'est le blanc qui est écrit entre les lettres noires. Donc c'est pour vous faire savoir qu'en fait, la Torah, c'est tout ce qui est écrit, c'est entre les lignes. Il y a environ 12-13 façons de comprendre la Torah. Et si j'étais vous, je noterais. Notez bien parce que c'est important. Tout ça, je vais vous transmettre. Ça va vous servir plus tard. Ça va prendre du temps peut-être à digérer, ça va prendre du temps à comprendre, mais c'est important de savoir. Il y a environ, moi j'utilise, il y a peut-être beaucoup plus de façons, mais j'en ai trouvé à peu près une douzaine de façons de comprendre et de traduire ce qui est écrit dans la Torah. Le premier des exemples, je l'appelle... C'est la permutation qu'il y a entre le temps et l'espace dans la Torah. C'est très très important. Si vous voulez, vous pouvez prendre, si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre le livre de l'Exode, Exode 12, 37. Je ne sais pas la traduction que vous avez, mais en principe, toutes les traductions sont soit loin, soit très très loin de la vérité, mais ici on parle du peuple des enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte pour aller vers Soukhot. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rappeler de... C'est la sortie d'Égypte. Et en fait, il y a une petite phrase, un petit verset qui vous dit que le peuple d'Israël est parti depuis Ramsès, qui est une terre, qui est un pays, la terre de Ramsès, vers Soukhot, qui est un autre endroit, qui s'appelle Soukhot. On ne sait pas où, on ne va pas chercher à comprendre aussi pour l'instant, mais on vous parle ici de deux endroits. Toutefois, dans le même verset, on vous explique que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte après 430 ans d'esclavage. 430. Si vous voyez, c'est écrit par deux fois. Deux fois il est écrit que les enfants d'Israël sont sortis après 430 ans d'esclavage. Or, en hébreu, chaque lettre a une valeur. Et c'est intéressant de savoir que le mot Ramsès, qui décrit donc un endroit, a la valeur 430. Le Reish, c'est 200, le Ain, c'est 70, le Mem, c'est 40, et le Samer, c'est 60, plus 60, ça fait 430. Donc c'est intéressant de noter que d'un côté, on vous dit que le peuple d'Israël sort de 430 ans d'esclavage, et qu'on vous dit qu'il sort de la terre de Ramsès, dont la valeur numérique est 430. C'est intéressant. Par contre, je vois que la valeur numérique de Soukhot, en hébreu, est de 480. Alors j'aurais voulu savoir si ça correspondait éventuellement à une période de temps. Et effectivement, si vous prenez votre Bible, 1 Roi 6.1, vous voyez qu'au bout de 480 ans, exactement, fut inauguré le temple de Salomon. Alors là, je reviens encore une fois. On a le texte qui nous dit les enfants d'Israël partent d'un pays vers un autre pays, d'un endroit vers un autre endroit, mais en même temps, ils vous disent qu'ils partent d'une période de temps de 430 ans vers une autre période de temps de 480 ans. Vous comprenez ?
Ça veut dire que quand vous lisez la Torah en surface, vous comprenez que la moitié des choses. C'est-à-dire que c'est ce que ça nous apprend, c'est d'une part que dans la Torah, un espace peut aussi cacher un temps, une période de temps, et de deux, ça nous explique que le plan originel pour partir d'Égypte, était d'arriver jusqu'à la construction du temple de Salomon. Et ça, c'était l'objectif. Si on part de ce point-là jusqu'à ce point-là, et que ça fait 430, et qu'on sait que de là, il y a 480 ans, donc vu que c'était écrit avant, donc on sait qu'il y a eu un plan divin pour faire venir le peuple d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à l'apogée de la connaissance, le temple de Salomon. Donc ça, c'est une première chose qui indique que dans la Torah, vous avez le temps et l'espace qui s'interchangent souvent. Ce que nous appelons le tabernacle ou la tente d'assignation dans la Torah, le temple qui est dans le désert, en hébreu, ça s'appelle Oel Moed. Une tente de Moed, comment on peut traduire Moed ? Rendez-vous. Rendez-vous ou bien. Oui, mais Moed, c'est aussi un temps. Le Moed, c'est une époque, c'est une période. Moed, Moadim. Donc, quelque part, le temple en hébreu, c'est une tente, donc un espace de. On utilise ce terme-là pour rendez-vous, mais Moed, c'est comme un mois. C'est un mois, c'est une période de temps. Occasionnel. Donc on voit la notion ici d'espace et de temps, où le temps et l'espace permutent. Il y a un autre exemple qui renforce ça, c'est à la fin de la vie de Moshe, de Moïse. À la fin de sa vie, il monte sur le mont Nebo, et Dieu lui fait voir toute la terre de Juda, la terre de Benjamin, je crois aussi. Il lui fait voir tout ça jusqu'à la dernière mer. La dernière mer. Et en hébreu, la dernière mer se dit Yam Aharon. Mais le mot Yam en hébreu est très proche du mot Yom qui veut dire jour. Donc nos sages nous disent, quand tu lis dans la Torah que Moïse a vu jusqu'à la dernière mer, ne lis pas dernière mer, mais lis jusqu'au dernier jour. Et donc là encore, on voit que dans la Torah, quand on pense que ça parle d'un espace, ça parle en fait d'une période de temps. Donc c'est important. C'est très très important de savoir ça. C'est que le temps et l'espace dans la Torah permutent. Et une petite parenthèse, vous saurez plus tard que dans la Torah, le reflet de l'espace sont les lettres. Et le reflet du temps sont les chiffres qui sont derrière les lettres. On ne voit pas les chiffres. On ne voit pas le temps. Vous voyez les lettres, mais vous ne voyez pas les chiffres. Donc la Torah, c'est des lettres et des chiffres. Du temps et de l'espace qui tout le temps permettent. Un dernier petit exemple par rapport à ce que je viens de dire sur Moïse. On dit que Moïse donc est monté sur le mont Nebo, un mont, une montagne, qui s'appelle Nebo. On ne sait pas où est cette montagne. Mais si on sait que Moïse est monté sur ce mont et qu'il voit dans le temps, alors peut-être que le mont Nebo décrit en fait le mot Nevoa en hébreu, qui est la prophétie. Et que quand il monte sur le mont Nebo, peut-être qu'il monte en prophétie. C'est possible, c'est pas sûr, mais c'est très fin. Ce sont des indications. Vous comprenez? Donc ça, c'est pour finir le dossier et pour vous dire que dans la Torah, le temps et l'espace permutent en permanence, et que des fois quand on pense que on parle d'un temps, d'un espace, mais ça parle de l'inverse. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point,
Ben, j'ai commencé à le dire, c'est par rapport au mot nebo, c'est-à-dire il y a des consonances, des fois dans les mots en hébreu, qui vous incitent à entendre d'autres mots, comme nevo, nevoa. Est-ce qu'il y a un lien? Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Nous avons ici, voilà. Ça, c'est ça. Vous savez qu'il y a des lettres en hébreu qui peuvent se, phonétiquement s'inverser. Ah, les mots new. Ok, on me dit ici qu'en langage romanesque, nevo, ça veut dire nouveau. C'est vrai? Vous avez volé ça des juifs, c'est pas. Je sais, je vous connais, c'est pas. Nevo new. Ok. Ok, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est lié. Parce que celui qui voit dans l'avenir, il voit ce qui va être neuf, ce qui va être nouveau. C'est possible aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a aussi des lettres qui peuvent se confondre en hébreu phonétiquement. Surtout aujourd'hui. On a le kouf et le kaf. On a le samer et le sin. On a le vet et le vav. Et nous avons le taf et le tête qui se confondent. Alors ça aussi c'est intéressant parce que des fois il y a des mots qui s'écrivent mal orthographiés dans la Torah. Avec des fautes d'orthographe. Mais c'est exprès, ce n'est pas au hasard. C'est exprès pour indiquer d'autres choses. Et là, je vais donner l'exemple très important de Léa. Léa, quand elle conçoit et l'enfante Shimon, qui est Siméon, elle dit « car je suis détesté et Dieu m'a donné à moi, non pas à lui, non pas à Jacob m'a donné à moi, en hébreu on dit gam etze, ce qui veut dire ça aussi. En disant de son fils, ça aussi. Dieu m'a donné ça aussi, car je suis détesté. Donc, le mot détesté est écrit sans faute d'orthographe, il est très bien écrit. Par contre, phonétiquement, l'anagramme de détester, qui est ses nouveaux en hébreu, peut donner un autre mot. Qui est le mot anoussa, qui est le mot violenté. Mais violenté en hébreu, c'est qui pas avec un signe, c'est qui avec un samer. Donc phonétiquement, ça pourrait être valable, mais pas vraiment parce que dans l'hébreu, c'est pas vraiment les mêmes lettres. Or, dans le Tanakh, on trouve une fois écrit le mot anoussa, qui veut dire violenté, avec une faute d'orthographe. Écrite avec un sin et non pas un samer. Et ça, c'est une indication pour confirmer qu'on a le droit et on peut penser effectivement que quand elle dit Anis Senoa, ça veut dire je suis détesté, ça peut vouloir cacher le fait qu'elle soit ou qu'elle ait été violentée. Alors, ça, on laisse ça de côté, c'est juste. Pour vous dire que des fois, l'écriture confirme que des erreurs peuvent être valides pour comprendre certaines choses. Pas pour écrire un livre de Torah, mais pour comprendre, pour voir des choses. Alors ça, c'est c'est très important. Je sais que ça fait un petit peu lourd, c'est pas facile à digérer, mais c'est très important de savoir ça. Maintenant, une des choses les plus importantes, la chose la plus constante quasiment, qui revient tout le temps dans la Torah, pour comprendre la Torah, ce sont les mots qui se répètent. Alors vous me dites, la Torah c'est un livre. C'est un livre, donc il faut des mots pour écrire un livre. Donc, pourquoi est-ce que si des mots se répètent, ben c'est pas grave. Dans la Torah, il n'y a rien qui est au hasard, rien. Et si des mots se répètent dans la Torah, alors qu'ils n'ont pas à se répéter, eh bien, c'est pour
créer des liens entre les mots et entre les situations. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous connaissez tous l'histoire de Moïse quand il sort et qu'il voit un Égyptien qui frappe un hébreu? Vous vous rappelez de l'histoire? Moïse tue l'Égyptien? Ok. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il sort, on sait qu'il voit l'Égyptien qui frappe l'hébreu, on sait qu'il regarde à droite et à gauche, et on sait qu'il le tue et qu'il l'enterre dans le sol. Donc on peut penser que c'est une scène réelle, qui s'est passée réellement, physiquement. Seulement il y a un problème. Lorsque Moïse commence à parler, Moïse, le premier mot qu'il dit, en hébreu, est le mot « achen ». On peut traduire ça comme « bien sûr » ou « en conséquence ». Mais ce mot-là, comme je ne sais pas très bien lire l'hébreu, donc je lis tout doucement, et donc je me rappelle de ce mot que j'ai vu écrit une seule fois auparavant dans la Torah, et je l'ai vu quand Yaakov, qui est Jacob donc, fait un rêve d'une échelle, c'est pas important, mais quand il se réveille, il dit le même mot, « achen », ainsi. Je ne savais pas, mais il y a la présence de Dieu dans cet endroit. Mais il dit le même mot. Alors moi, je suis un enquêteur, j'ai une tête froide. Et je me dis, pourquoi prendre ce mot de là-bas et le mettre dans cette histoire? Si ce n'est que pour faire un lien entre les deux situations. Quel lien il peut y avoir entre Moïse qui dit une chose et l'autre qui dit une chose? Mais là, ce que Moïse dit, c'est la première chose qu'il dit. Or, Yaakov, c'est le même mot, c'est la première chose qu'il dit aussi. Alors, tout ce qu'on peut comprendre, c'est que tout comme Yaakov qui sort d'un rêve, qui avait rêvé, et là-bas c'est clairement écrit qu'il a rêvé, on peut comprendre que ce qui s'est passé avec Moïse, c'est aussi un rêve. C'est aussi une vision. Et ça, ce mot-là, c'est ça qui nous l'indique. Ce n'est pas une preuve suffisante pour dire que c'est une vision, mais c'est une indication suffisante pour gratter et creuser dans ce sens. Et quand on gratte et qu'on creuse dans ce sens, on s'aperçoit effectivement que c'est une vision qu'il a eue et que ce n'est pas physique. Ça ne s'est pas passé physiquement. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut voir par rapport à un mot qui a été écrit et qui est répété, alors qu'il ne l'est pas répété vraiment beaucoup de fois. Donc on voit qu'il y a un lien entre ces deux choses. Alors, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé, je peux vous expliquer aussi, mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Et nous avons ensuite une phrase qui peut se répéter. Alors là, une phrase qui se répète, c'est clairement confirmer un lien entre deux situations. La phrase que vous connaissez tous qui se répète, au tout début de la création, c'est la phrase que dit Dieu à Adam. Il dit « Fructifiez et multipliez-vous et remplissez la terre. » En hébreu, « Peru ou vous ou milou et paret. » Mais cette même phrase, exactement la même phrase, on la retrouve à l'époque de Noé, avec quand il sort de l'arche. Alors on a Dieu qui dit cette phrase à Adam, et ensuite il répète cette même phrase à Noé. Alors je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est la même phrase? Est-ce que ce serait la même situation? Est-ce qu'on serait dans la même situation? Alors j'enquête. Encore une indication. Et quand j'enquête, on s'aperçoit effectivement qu'il y a d'autres critères, d'autres éléments de preuve qui montrent que c'est la même situation. Je vous donne un exemple. À l'époque de Noé, tout le monde sait qu'il y a eu un déluge. Le monde a été bouleversé par un grand déluge. Et automatiquement, Noé construit une arche, sort de l'arche, et Dieu lui dit « Ok, maintenant, fructifie-toi, multiplie-toi et remplis la terre. » Mais de l'autre côté, ce qu'on a comme idée, c'est qu'en fait, ce n'est pas un déluge. C'est l'homme qui a été créé à partir de la boue. Et...
Dieu l'a créé, et voilà. Mais quand on analyse, c'est pas si simple que ça. Parce que on réalise que la création, ce qu'on appelle la création, ça a tout à fait l'apparence de la fin d'un déluge. Quand les eaux d'en haut et d'en bas se séparent, tout comme à l'époque de Noé, il y avait les eaux d'en bas et les eaux d'en haut qui se sont mélangées. Donc après, ils se sont séparés. Là-bas, c'est pareil. Les eaux qui se recoupent et on voit la terre qui apparaît, ça a l'apparence de la fin d'un type de déluge. Même si c'est écrit dans une langue poétique, peut-être que ça a d'autres allusions, beaucoup de. Mais en attendant, ça apparaît la même situation. C'est-à-dire qu'en fait, on a ici une situation où un homme traverse une époque, une civilisation, il sort d'une civilisation qui s'est écroulée, il survit à la catastrophe et il recommence à partir de zéro. Alors ma question c'est, est-ce que à l'époque d'Adam, est-ce que c'est un commencement et qu'il n'y a rien avant, ou est-ce que c'est un commencement à partir de quelque chose qui s'était déjà écroulé? Nos rabbanim le disent qu'avant la création, avant Bereshit, il y avait des mondes, n'est-ce pas? Il y avait des cycles. Tout à fait. Yeah. Voilà. Toujours les rabbins, toujours en retard. Bien. Et c'est ça qui est très important de savoir. Et quand je vous dis tout ça, je ne vous dis pas tout ça pour des exemples seulement. C'est des choses qu'il faut que vous compreniez pour pouvoir comprendre qui vous êtes. C'est des points importants à comprendre. C'est des points importants à comprendre. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi, quel rapport entre nous? Vous allez voir le rapport par la suite. Donc c'est important de comprendre que peut-être que, avant Adam Harishon, avant Adam le premier homme, il y avait quelque chose. Et que en fait, notre cycle à nous, de temps, est de 5700 ans. Mais c'est pas le début de la Terre, c'est pas la création. La Terre a des milliards d'années. Vous comprenez? On a trouvé les dinosaures, on sait maintenant que la Terre a bien plus que 5700 ans. Vous savez qu'on a trouvé des pyramides dans l'océan, près de la côte de Cuba, à 650 mètres en profondeur. Des pyramides. C'est sur Internet, vous pouvez aller voir. Ils ont trouvé ça il y a quelques années. Il y a aussi au large des côtes du Portugal, pareil, une pyramide dans l'océan. Alors, je ne sais pas donc combien de temps ça prendrait pour qu'une pyramide se retrouve au milieu de l'océan. Donc on sait qu'il y a eu un bouleversement et on sait qu'il y a eu d'autres civilisations avant nous. On sait que la création n'est pas la création à partir de zéro, c'est la création à partir déjà de quelque chose. C'est pour ça que dans la Torah, c'est sous le nom de Elohim ou Elohim que Dieu crée. Et non pas par le nom de Yod Kevavke qui est le tétagramme, qui si ça avait été le cas, là ça aurait été une création ex nihilo. Comme on dit, c'est-à-dire à partir de rien. Il y a des éléments qui se passent dans le Zohar aussi. Dans le Zohar. Dans le Kabbalah, que le monde est détruit. C'est écrit dans le Zohar que Dieu crée des mondes et les détruit. Vous comprenez? Donc c'est important de savoir ça par la suite. Vous allez voir pourquoi. Donc on a vu donc le lien qu'il peut y avoir entre deux mots qui peut expliquer une situation, entre deux phrases. Quelques autres exemples ici. Alors là aussi c'est pareil. Il y a un mot en hébreu. Il y a un mot en hébreu qui se répète deux fois, qui est le mot Vayanicheo. Ce mot-là décrit en fait Dieu qui prend Adam, le premier homme, et qui le met dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il le prend et il le dépose, c'est ça? On peut dire comme ça. Mais ce terme-là, ce mot-là, on le retrouve à l'époque de Lot, quand Dieu le prend et le fait sortir de la ville. Ce n'est pas les mêmes voyelles, mais c'est le même mot, Bayanéchéo. Alors là encore une fois, en tant qu'enquêteur, je vois
J'ai deux empreintes digitales qui sont les mêmes. Et on me dit en fait que ce que Dieu a fait avec Adam, eh bien, il l'a fait aussi avec Lot. Et ce qui est intéressant et qui renforce cette idée, c'est que la valeur gématrique de Adam, qui est 45, est aussi celle de Lot, qui est aussi 45. Vous comprenez? Tout ça, ce que je vous dis, ce sont des choses qui ne se voient pas en surface. Quand on lit le texte, qu'on le lit comme une histoire, on peut lire ça comme un enfant. Ou on peut essayer de plonger et de comprendre les choses, pour ne pas avoir de fausses idées, de fausses appréhensions, de fausses opinions. Parce que tout est là, c'est ça la Torah, c'est-à-dire c'est fait pour nous rendre intelligents, c'est fait pour nous faire grandir. C'est pas fait pour, ce ne sont pas des histoires, ce n'est pas de la mythologie. Les Grecs ont des livres de mythologie, ce n'est pas un livre de mythologie. Ce sont des livres très 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 importants qu'il nous faut comprendre, et à mon avis, assez rapidement maintenant. Ok. Nous avons des répétitions de mots, des répétitions de phrases. Voilà. Ah, une chose qui renforce le fait que peut-être, à l'époque d'Adam, il y avait aussi eu un déluge, c'est à l'époque de Babel, de la tour de Babylone, de la première tour de Babel. Et le commentateur, on a un grand commentateur en Israël qui s'appelle Rashi, très connu. Et Rashi rapporte ceci. Il dit, pourquoi est-ce qu'il voulait construire la tour de Babel? Et là, il explique, parce que il disait, tous les 1656 ans, il y a un déluge. Donc, construisons une tour de façon à survivre le déluge. Ça, c'est ce que Rashi dit. Mais attendez, s'il dit que tous les 1656 ans, parce que le déluge a eu lieu en l'an 1656, si tous les 1656 ans, il y a eu un déluge, automatiquement, ça veut dire qu'il y a eu, il s'était courant de deux déluges. Vous comprenez? Sinon, il n'aurait pas dit tous les 1256 ans. Il faut au moins qu'il y ait deux déluges pour qu'il puisse dire ça, qu'il puisse prétendre qu'il y a une suite dans le temps. Donc, ça, c'est une autre indication qui permet de comprendre les choses en profondeur et de grandir, d'avoir un œil plus adulte sur cette importante écriture. Il y a aussi quelque chose qui est important, qu'il faut que vous compreniez. La personne que l'on appelle Nimrod dans la Torah, c'est le premier rebelle. En hébreu, Nimrod veut dire « rebellons-nous ». C'est le premier rebelle contre Dieu. Le premier à dire « Dieu, c'est pas lui, c'est moi qui suis le Mashiach, lui c'est pas un dieu, ça ce sont des dieux, venez, suivez-moi, rebellons-nous contre Dieu. » Donc c'est le premier rebelle. Maintenant, très important, dans la Torah il est écrit que Nimrod fut le premier chasseur, le premier rebelle devant Dieu. Comme il est écrit, et là il y a une phrase qui citait, comme Nimrod, grand chasseur devant Dieu. Attendez une seconde, je reviens. Là, la Torah me dit, Nimrod était un rebelle devant Dieu, tout comme il est écrit, ouvrez les guillemets, comme Nimrod, grand chasseur devant Dieu. Ou plus précisément, je pourrais dire comme il est dit, entre guillemets, comme Nimrod, grand chasseur devant Dieu. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais encore une fois, quand on prend cette empreinte digitale-là, on prend ce mot Alkenyéma, qui veut dire tout comme il est dit, ça n'est écrit que deux fois dans toute la Torah. La première fois, c'est pour décrire un homme qui s'appelle Nimrod. Et la deuxième fois, c'est pour décrire quelque chose qui est écrit dans un livre.
Alkeni Emar Besefer Milhamot Hashem. Alors, c'est pas facile à suivre, je vais essayer de simplifier. Quand on prend ces trois mots-là, et qu'on les voit écrit très très loin dans un autre livre dans le Tanakh au sujet de d'autres choses, on voit qu'en fait ces trois mots sont attachés à d'autres mots qui reflètent ce qu'on dit ici, mais sans qu'on donne de détails. C'est-à-dire ici on vous donne plus de détails sur ce qui s'est passé. Ici on vous dit comme il est dit Nimrod le grand chasseur, mais ici on vous dit comme il est dit dans le livre des guerres d'Hachem, des guerres de Dieu. Donc vous comprenez ici que quand on parle de Nimrod, il a été nommé Nimrod par rapport à un premier Nimrod qui a existé bien avant lui et dont les histoires ont été écrites dans un livre qui s'appelle le livre des guerres de Dieu. C'est un livre très important, on ne sait pas d'où il est ce livre, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est antérieur à nos livres, on ne sait pas. Mais c'est un livre très très important et c'est comme ça qu'on vous indique des choses. C'est comme ça qu'on vous donne des informations. On vous dit, vous savez qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est par rapport à ça. Mais c'est caché. Vous devez gratter. Donc tout ça c'est juste pour vous dire encore une fois comme quoi on peut faire des liens entre deux situations, entre deux époques, entre deux personnes, par rapport à des mots qui se répètent. Et ça c'est comme ça qu'on comprend les choses. Et après on vérifie, on voit que c'est vrai. C'est pas seulement des indications. On gratte et on voit que effectivement c'est vrai. Et ça explique beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas comprendre jusqu'à présent. Maintenant, on a aussi c'est très important, les anagrammes. Les anagrammes sont très très importants. Je vais vous donner un exemple. Dans la Torah, le premier mot, Bereshit, ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que Bereshit veut dire au commencement de quelque chose. Au commencement de. Ça ne veut pas dire au commencement. Bereshit, ça ne veut pas dire au commencement. Ça veut dire au commencement de. De quoi? Je ne sais pas. Alors ici, quand on lit, on peut lire au commencement de quoi? Je ne sais pas. Dieu créa. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il manque un mot, il manque quelque chose. Si ça avait été au commencement, il aurait été écrit Berishona en hébreu. Au commencement, en hébreu, c'est Berishona. Bereshit. C'est au commencement de. Donc d'emblée dans la Torah, tout de suite on vous dit, attention, ne lisez pas ça littéralement, textuellement, parce que ça n'a pas de sens. Il faut commencer à comprendre. Maintenant, au niveau des anagrammes, le mot Bereshit est aussi un anagramme. L'anagramme du mot Béché-Hérit, qui veut dire dans les restes, dans ce qui est délaissé, dans ce qui reste. Là, par contre, l'anagramme pourrait coller, ça pourrait fonctionner. Dans les restes, Dieu créa quelque chose. Dans les restes, dans ce qui est resté de ce qui était auparavant, Dieu créa le ciel et la terre. Toujours pareil en indiquant qu'il y avait quelque chose avant. Ça, c'est un des premiers anagrammes qui est important de savoir. Ensuite, les noms. C'est très important les noms ont une signification. Mais les anagrammes des noms aussi sont très très importants parce qu'elles vous révèlent qui est la personne. Tout le monde connaît Abraham. Mais qu'est-ce qu'on sait sur Abraham? Pourquoi il s'appelle Abraham? Et on a entendu tellement de bêtises sur son nom. Et je veux dire quoi sur des bêtises? Du style père d'une nation. Alors qu'une nation en hébreu c'est Am avec un Aïn, il n'y a pas la lettre Aïn dans le mot d'Abraham. Et quand on analyse un petit peu qui est Abraham, on dit dans la Torah, on dit qu'Abraham, il,
Il avait un bon cœur, il donnait. Il donnait, il donnait, il donnait, il voulait juste donner, 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 donner. Ça, c'est ce qu'on sait. On sait aussi autre chose. On sait qu'à l'époque de Nimrod, attention, Nimrod, c'était un empire religieux. C'était comme un petit peu le Vatican de l'époque, on va dire, s'il régnait sur toute la terre. C'était c'est plus religieux qu'autre chose. Donc, à cette époque-là, les gens croyaient dans des idoles, croyaient dans des faux dieux. Et Abraham se battait avec eux, se battait pour leur faire comprendre que ce en quoi ils croyaient n'était pas vrai, c'est pas ça. Et ça, c'est la forme de générosité la plus grande. Si j'ai de l'argent, j'ai des millions, et je vous donne de l'argent, c'est bien, je suis généreux. Mais si je dois me battre avec vous pour vous donner de l'argent, ou si je vous vois comme des gens malades et que je vous dis j'ai un médicament, prenez-le, mais vous ne voulez pas le prendre, et là je dois me battre avec vous pour que vous preniez le médicament qui va vous sauver. Ça demande une force énorme, ça demande une force et une générosité énorme, parce que c'est facile de donner à quelqu'un qui reçoit, mais essayer de donner à quelqu'un qui ne veut pas recevoir, c'est encore plus difficile, et lui arriver, c'est la force d'Abraham. Et en fait, Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Il expliquait les choses. Abraham, c'était quelqu'un qui avait, à l'âge très très jeune, avait observé les étoiles, la nature, et se posait des questions. Et automatiquement, il comprenait les choses à travers ce qu'il observait, et il l'expliquait aux gens. Or, maintenant que vous savez ça, on va servir un peu du tableau, pourquoi pas. Le mot Abraham en hébreu, je vais orienter le tableau. On va écrire Abraham comme ça, avec un même sous-titre pour comprendre. Hop. Le mot Abraham en hébreu est un anagramme. Le mot Abraham, c'est l'anagramme de A, mais va R. Celui qui explique. Ça, la nature d'Abraham. Le mot Abraham cache la signification celui qui explique et qui va se battre pour expliquer. Si vous voulez comprendre mieux la nature de quelqu'un, vous pouvez aussi jouer avec des anagrammes de son mot, ou des fois dans des choses qui le décrivent, dans des adjectifs qui le décrivent, on peut aussi comprendre la nature des gens et des choses. Un autre sujet. Le nombre de lettres et le nombre de mots. Je vous donne un exemple. Et j'en avais parlé avec mon ami. Maintenant, je vais finir ce que j'ai commencé avec toi. Vous voyez, quand j'ai commencé à lire la Torah, j'ai voulu lire comme un enquêteur, j'ai voulu essayer de comprendre. Et des fois, je m'ennuyais, je comptais les mots. Et quand j'ai commencé à lire la création, le récit de la création, j'ai commencé à m'amuser à compter des mots. Et j'ai remarqué que le troisième jour, en hébreu, est écrit et relaté en 69 mots. Ok. Et je continue et je vois que le quatrième jour est aussi relaté et écrit en 69 mots. Déjà, je commence déjà à être suspicieux. Mais c'est peut-être pas un hasard. Je continue et je vois que ce n'est pas le même nombre de mots, il y a plusieurs chiffres différents après qu'il y ait. Par contre, je remonte et je m'aperçois que le jour 1 et le deuxième jour sont aussi écrits dans le même nombre de mots, qui est 69. Vous savez, en hébreu, il y a écrit il y eut un soir et il y eut un matin, jour 1. Il n'y a pas écrit jour premier.
Il y a écrit jour 1. Ensuite, il y a écrit jour second. Il n'y a pas écrit jour 2. Second n'est pas la suite de 1. Second est la suite de premier. Pourquoi ? Parce qu'on dit premier, second, troisième, quatrième, cinquième. On dit 1, 2, 3, 4, 5. Si tu m'écris jour 1, alors écris jour 2, jour 3. Et là, je sais que j'ai une suite. Mais là, il n'y a pas de suite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour 1 n'est pas le début de jour 2e. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils font 1. Et le fait qu'ils soient écrits les deux en même temps, en 69 mots, tout comme le 3e jour et le 4e jour, me confirme qu'en fait c'est un jour. Jour 1 et 2e jour, c'est un jour. Mais alors pourquoi on l'appelle 1 et pourquoi pas premier ? Parce que tout comme la création, mais tout comme les jours de la création commencent la nuit et finissent le jour quelque part, avec la tombée du soleil, notre cycle à nous commence à la fin de quelque chose et donc commence dans la nuit et ne commence pas dans la journée. Donc ça veut dire que quand ça commence, quand la création commence, eh bien c'est déjà, c'est à la fin de quelque chose d'autre que ça commence. Donc automatiquement ce n'est pas le premier jour, c'est un jour. Mais c'est très fin, c'est très très fin. Il faut comprendre l'hébreu pour essayer de comprendre ça. Donc on peut s'apercevoir que dans le nombre de mots, on peut aussi donner des messages. Parce que ces trois jours, jour 1 et 2e, jour 3e et jour 4e, en fait ce sont les jours où il crée l'espace. Il crée, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien. Il crée le premier jour et le deuxième jour, les eaux et l'espace pour les oiseaux du cinquième jour, les oiseaux et les poissons. Le deuxième jour pour le cinquième jour. Le troisième jour, la terre, etc., pour le sixième jour, où les animaux sont créés, l'homme est créé. Et le quatrième jour, où il crée les astres, c'est-à-dire les instruments du temps, c'est lié au septième jour, le Shabbat, qui est lui-même un temps dans le temps, puisqu'il n'y a pas écrit à l'époque, il y avait un soir et il y a eu un matin. Donc on s'aperçoit qu'en fait, à travers le nombre de mots, on peut anticiper, on peut comprendre beaucoup de choses. Il va falloir après vérifier, bien sûr, il va falloir confirmer. Mais toujours est-il que c'est une très très bonne indication pour comprendre et pour nous orienter vers une direction. Donc le nombre de mots. Notez bien. Ok. Oh, très important. Dans la création, il y a trois personnes. Vous avez l'homme, la femme et le serpent. Mais c'est pas un serpent comme tous les serpents, c'est un serpent qui parle. Moi, je connais pas le serpent qui parle. Mais bon, celui-là, il parle. Alors on peut philosopher, on peut dire, oh, c'est, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est le Satan, ou c'est le mauvais esprit, ou on peut, et tout est vrai quelque part. Mais le problème, c'est que Dieu punit, entre guillemets, la femme, l'homme et le serpent. Si le serpent était le Satan, il ne serait pas puni. Le Satan, chez nous, n'est pas un être qui peut être punissable. C'est un robot au service de Dieu qui est là pour tester les hommes. Donc, c'est pas facile à accepter, surtout si vous avez une approche chrétienne de tout ce qui est Satan. Là, on vous écrit que ce Satan, c'est quelque chose de mauvais en soi, il utilise mais il n'est mauvais que pour ceux qui n'arrivent pas à surmonter ces épreuves. Maintenant, vous avez donc trois entités, le serpent, la femme et l'homme. Les trois sont punis. Si les trois sont punis, les trois sont responsables.
Maintenant, c'est important, encore une fois, de compter les mots. Pourquoi ? Et les lettres. Parce que on ne sait pas trop quelle est la punition, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le jardin d'Éden. On ne sait pas trop, ils ont mangé un fruit, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Mais on s'aperçoit d'une chose, quand Dieu punit le serpent, la femme et l'homme, il prononce des mots. Et il punit la femme en 13 mots. 13 mots. Le serpent, il le punit en 33 mots. 33 mots. Et Adam, il le punit en 46 mots. 46 mots sortent de la bouche de Dieu. 46, c'est 33 plus 16. Donc, le nombre de mots que Dieu dit à Adam correspond au nombre de mots qu'il dit à la femme et au serpent quand il est puni. De ça, on peut comprendre que la faute d'Adam équivalait à la faute des deux. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait pèse comme ce qu'ont fait les deux autres. Maintenant, il faut gratter, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Ça, ce sont des indications subtiles pour nous faire comprendre les choses à travers les choses. Mais quand on analyse un peu plus la punition d'Adam, du serpent et de la femme, on s'aperçoit que Dieu, en fait, punit le serpent pour une raison. Il lui dit, parce que tu as fait ça, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que tu as fait ça, alors, tac, 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 tac. Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et parce que tu as mangé du fruit, ou bien parce que elle a mangé du fruit, parce qu'en hébreu, le mot Torah, Batoral, décrit aussi la femme. Donc on ne sait pas ce qu'il veut dire Dieu. Est-ce qu'il dit parce que toi tu as mangé du fruit ou parce qu'elle a mangé du fruit? En tout cas, pour l'instant, tout ce qui nous intéresse, c'est que le serpent est puni pour une raison, une cause, on ne sait pas quoi, mais une, parce que tu as fait ça. L'homme, parce que tu as fait ça et parce que tu as fait ça. Mais la femme, elle est punie sans aucune cause. La femme n'est pas punie parce qu'elle a fait quelque chose. Et de là, on comprend que la femme est innocente. Elle reçoit une punition, elle reçoit quelque part, oui, un coup pour quelque chose dont elle n'est pas responsable. C'est comme un enfant qui va mettre sa main sur le feu, sur le grill, et qui va se brûler. Mais c'est mon enfant. Est-ce qu'il est responsable? Non, c'est moi qui est responsable. Vous comprenez? Donc, le nombre de mots ici nous indique et nous confirme que ce qu'a fait Adam était aussi important, aussi grave que ce qu'avaient fait les deux autres. Et ça va être aussi important par la suite. Ok. Il y a aussi autre chose qui est encore un peu plus profond. J'espère que vous êtes avec moi parce que c'est pas facile. Vous savez, les enfants d'Israël dans le désert, ils ont voyagé. Vous savez, d'ici à là-bas, de là-bas à ici, de là, de là, de là. Ils ont fait 41 voyages. 41. Donc je mets ça dans ma tête. Maintenant je prends le livre de la Torah et je regarde la Torah. Dans la Torah, il y a 54 livres. 54 livres depuis Bereshit, depuis Genèse, jusqu'à la fin, il y a 54 livres. Il y a 12 livres dans Genèse, avant la sortie d'Égypte. Je mets de côté. Combien il en reste? 42. Il y a un livre qui décrit ce qui s'est passé en Égypte avant que les enfants s'en aillent. Donc combien de livres ont été écrits
sur les 41 voyages des enfants d'Israël. 41. Donc, d'un côté, on a 41 voyages, 41 étapes des enfants d'Israël. Et on a 41 livres, ou ce qu'on appelle en hébreu parashiot, segments, qui relatent tout ce qui s'est passé dans le désert. Donc, c'est une preuve en rien, ça ne prouve rien en soi, mais c'est intéressant. C'est intéressant de savoir qu'il y a ce nombre de 41 qui revient. Alors ma grande question, c'est qu'en tant qu'enquêteur, moi, il n'y a rien qui me choque maintenant. Est-il possible que les enfants d'Israël aient effectivement voyagé physiquement? Ils s'en vont ici, ils s'en vont là-bas. Ou est-ce que c'est un voyage, au lieu que ce soit un voyage en espace, est-ce que c'est un voyage dans le temps? Est-ce que, une question, c'est une question, on n'a pas de preuve de ça. Mais vu que déjà on sait que dans la Torah, le temps et l'espace s'interchangent, on sait que quand Moïse voit la terre jusqu'à la dernière mer et qu'il voit jusqu'au dernier jour, est-il possible que les enfants d'Israël, sur lesquels on dit qu'ils ont voyagé 41 jours, 41 fois, est-ce que c'était physiquement ou est-ce que c'était autrement? Et si c'est autrement, qu'est-ce que c'est? Alors, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin parce que je ne sais pas. Mais je note, qu'il y a ici quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Ensuite, la septième méthode pour comprendre des choses dans la Torah, ce sont par rapport aux valeurs numériques, par rapport aux chiffres. Les chiffres sont des lettres, les lettres sont des chiffres. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Je vais revenir à l'époque de Moïse. C'est important, ça va être aussi lié à la tribu de Shimon plus tard, vous allez comprendre pourquoi. L'histoire de Moïse, encore une fois, il sort, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu, il le tue, il le frappe, il le met dans le sable, il ressort le second jour, et des gens lui disent quelque chose, et il dit, mon Dieu, la chose doit se savoir, et il s'enfuit. Maintenant, moi, je vais essayer de comprendre un petit peu c'est quoi cette histoire, et si je pense que c'est un rêve, comme j'ai vu déjà auparavant, de quoi il rêve? Qu'est-ce que c'est? Alors j'enquête. Alors je prends mon ordinateur. Et mon ordinateur, c'est le meilleur ordinateur qui soit. C'est le plus grand mikoubal que je connaisse. Le plus grand kabbaliste que je connaisse. Tout ce que je lui demande, il me donne. Toute question que j'ai pour lui, il me donne la réponse tout de suite. Il est très bien mon ordinateur. J'aime beaucoup mon ordinateur. Et à partir de ce moment-là, je m'aperçois quand je lis tout doucement, et ça c'est le secret, lire doucement, ne pas lire vite, ne lisez pas vite, lisez doucement, un mot après l'autre, tout doucement. Et quand on lit doucement, on s'aperçoit de deux choses. D'une part que ce qu'il voit, Moïse, est un prince égyptien, on dit en hébreu Ishmitzri, et qu'en fait, Moïse lui-même, et par la suite décrit comme lui-même comme étant un prince égyptien. Quand il s'en va en Midian et que les filles de Jéthro le décrivent comme prince égyptien. Donc en tant qu'enquêteur, je vois que Moïse sort, voit quelque chose, il voit X et ensuite X le décrit. Il voit un prince égyptien et dans le même passage plus loin, le prince égyptien, c'est lui. Alors je commence à réfléchir, je me dis, est-ce que ce qu'il voit, c'est lui-même? Et si c'est un rêve, ça peut être éventuellement, ça peut peut-être marcher, mais ça n'a pas de sens pour l'instant. Je n'ai pas assez d'informations pour confirmer ça. Alors je continue à gratter. Et je vois que dans cette histoire-là, à un moment donné, il est écrit que Moïse frappe l'Égyptien. Et l'Égyptien, en hébreu, se dit « Habitsri ». Et ça a la valeur numérique
ou la Gématria en hébreu, du nom Moïse, 345. L'Égyptien, 345, Moïse, 345. Alors maintenant, ici, j'ai deux témoins qui me disent, Shmuel, Moïse, ce qu'il voit et ce qu'il frappe, ce qu'il tue, c'est lui-même. Alors, je dis, mais ça n'a pas de sens. Mais si, c'est un rêve. Alors attendez une seconde, mais comment est-ce qu'il est un Égyptien? C'est un Hébreu. Moïse est un Hébreu. Voilà, j'ai besoin d'aide. Et je vais voir ce que disent les sages, les commentateurs d'Israël. Parce que j'aime bien vérifier avec eux. Quand je n'arrive pas à comprendre par moi-même, alors je vais demander de l'aide et ils nous donnent de l'aide. Et c'est Rashi encore une fois qui va nous aider. Il nous dit, Rashi, pourquoi est-il écrit dans ce passage-là que Moïse grandit? Parce que juste avant, il y a écrit « Et Moïse grandit ». Il nous explique, Rashi, qu'en fait, il n'a pas grandi physiquement parce qu'il y avait déjà écrit avant « L'enfant grandit ». Mais s'il y a écrit ici que Moïse grandit, c'est pour nous faire comprendre que le nom de Moïse grandit. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, Moïse était devenu quelqu'un de très grand en Égypte. Et Rachid nous dit qu'à cette époque-là, Pharaon l'avait mis à la tête de sa maison. Ok, c'est tout ce qu'il me dit. Alors maintenant, je réfléchis, je dis, attendez une seconde. Pharaon le met à la tête de sa maison. Est-ce qu'on a un exemple de ça auparavant? Je cherche et je vois. Je vois que Pharaon dit à Joseph, à l'époque, tu seras à la tête de ma maison, tu seras en charge de ma maison. Et automatiquement, on sait que Joseph était roi d'Égypte, on déduit de ce que dit Rachid, qu'à cette époque-là, Moïse aussi était roi d'Égypte. Et si vous comprenez ça, et c'est pas écrit, il n'y a pas beaucoup de phrases écrites sur cette période-là, c'est très 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 fin. Si vous comprenez que Moïse était le roi d'Égypte sous Pharaon, deuxième en chef sur l'Égypte, donc maintenant vous pouvez commencer à comprendre qu'il est possible que l'Égyptien qu'il voit et que l'Égyptien qu'il tue n'est autre que l'Égyptien que Pharaon avait fait de lui toutes ces années durant. Et qu'en fait, cette histoire-là ne parle pas d'un simple meurtre ou une simple action, mais parle en plus en profondeur de l'histoire fantastique d'un homme qui était le numéro 2 de Pharaon, le député de Pharaon, qui avait tout, et qui va refuser tout ce qu'il a pour devenir le numéro 2 de Dieu. C'est une histoire très, 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 très... très émouvante, très très grande, et c'est là que vous commencez à comprendre et commencez à voir la Torah, voir les Écritures avec un œil différent. Encore une fois, vous pouvez lire la Torah comme un enfant et comprendre et imaginer ce que vous lisez, ou vous pouvez essayer de comprendre, et on dit en hébreu les hakim, et dire la Torah, c'est-à-dire et faire ressortir les paroles de la Torah, et c'est bien plus intéressant. Et quand vous faites ça, vous verrez que quelque chose se passe, parce que quelque part, en essayant de relever les paroles de la Torah, vous allez voir que c'est la Torah qui va vous relever. Et c'est quelque chose de très 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 fort. Ok, on va continuer. L'accentuation, ouf. Ça c'est lourd. Ça c'est lourd. Ok. On va mettre ça de côté pour l'instant. Ok. On va passer directement aux initiales. Alors les initiales, dans une suite de mots, une suite logique de mots, parce qu'on ne peut pas prendre les initiales au hasard comme ça. Les initiales sont aussi importantes parce qu'elles indiquent des choses. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand les enfants d'Israël sont en Égypte, il est écrit que tous les
tout le cheval de Pharaon, non pas tous les chevaux de Pharaon, mais tout le cheval de Pharaon, au singulier, poursuivait les enfants d'Israël. Alors on se dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, si on voit ça encore une fois au sens simple, c'est les chevaux de Pharaon qui poursuivent Israël. Mais les initiales de ces trois mots, en hébreu, kol sous paro, donnent le mot kesef, qui est le mot argent. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent de Pharaon poursuivait les Juifs, qu'est-ce que ça veut dire? Sans rentrer dans les détails, déjà, si vous voyez ces initiales-là, vous pouvez comprendre le commentaire de Rashi qui dit « Mais pourquoi est-ce qu'il y a écrit « tout le cheval de Pharaon » comme s'il n'y avait qu'un seul cheval qui poursuivait Israël ? Est-ce qu'il y a un cheval ou est-ce qu'il y a plusieurs chevaux ?» Maintenant, quand je parle de l'argent, est-ce qu'il y a un argent ou est-ce qu'il y a plusieurs ? Quand on parle de l'argent, on parle de plusieurs choses, plusieurs pièces, plusieurs billets. Et c'est à peu près la même chose. Maintenant, je vous donne une indication parce qu'on va en reviendra plus tard sur ça. Mais en fait, sachez qu'en Égypte, les gens étaient payés. Très bien payés. Et d'ailleurs, il n'y a pas trop longtemps, ils ont retrouvé toute une ville de ceux qui ont construit les pyramides en Égypte. Et les archéologues, qui essayent toujours de prouver que la Torah est fausse, sans savoir la comprendre, disent que. Ce n'étaient pas des esclaves qui ont construit la pyramide parce qu'ils étaient tous très très riches. Ils ont découvert, chacun avait son caveau, ils ont découvert des milliards d'ossements de bœufs, de poissons. D'ailleurs, on sait que les Égyptiens ne mangeaient pas de poissons. On sait que tout ce qui venait du Nil était sacré à l'époque. Mais pour vous dire que l'Égypte était une économie basée sur le travail très dur, rémunéré, mais que l'argent était quelque part un piège aujourd'hui pour nous tous. C'est-à-dire qu'en fait, le plus on travaillait, le plus on était payé, le plus il y avait de taxes, le plus il y avait de choses à payer, le plus c'était cher, et on ne sortait pas de ce système-là. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc, les initiales, on voit le mot Kesef dans Kol Sous Paro. Et vous savez qu'en français, le mot sous, qui est le mot sous, décrit l'argent. Les sous en français, c'est l'argent. Quand vous prenez les initiales de plusieurs mots, des fois il y a des mots qui n'ont que deux lettres. Eh bien, il vous est permis de prendre ces deux lettres pour former le mot. Je vais vous donner un exemple. Quand Jacob se réveille de son rêve, quand Jacob se réveille de son rêve, bien sûr, après, comme on avait dit tout à l'heure, Yesh Hashem Bamakomazé, je vais vous l'écrire. En hébreu, Yesh Hashem, ça commence par le niveau d'Hashem, je ne l'écrirai pas. Je vais mettre deux petits points comme ça. Bamakom Azé. Si on prend les premières lettres, en incluant ces deux-là, puisque c'est un petit mot, Yesh Hashem, Yud, Bamakom, Azé. Et nous avons ici le mot Yeshiva. Yeshiva en hébreu, c'est une école d'enseignement de Torah. Alors, quel est le rapport entre ce qu'il dit et ce qu'on voit? Eh bien, le rapport, c'est très simple. C'est qu'en fait, tout le monde pense que Jacob, à cette époque-là, était dans un bois ou était dans la nature. Mais en fait, il n'était pas dans un bois ou dans la nature, il était dans une école. Jacob a été envoyé par son père pendant 14 ans sur le mont Moria, où il y avait à l'époque une yeshiva qui s'appelait la yeshiva de Shem et Erer. C'était une école de talmudique, une école de Torah, très très élevée. On formait des géants. Et il a été étudié là-bas, il a été étudié dans cette yeshiva de Shem et Erer pendant 14 ans.
Et le fait que ce qu'ils disent ici fasse ressortir le mot Yeshiva indique qu'effectivement, l'endroit où Dieu se trouvait, ce n'est pas dans un arbre, ce n'est pas dans une plante, dans un rocher, c'est dans un centre d'études, c'est dans un endroit où il y a des livres. Dieu se trouve plus concentré dans un endroit où on pense, où on raisonne, où on réfléchit, où on essaie de grandir par des livres. C'est là où Dieu se révèle le plus. Et par des livres, par la connaissance, par le... Il ne nous a pas donné de l'or de diamant, il nous a donné des livres. Alors ça c'est mon rave, c'est le rave qui m'a fait grandir. Tatibata, Rosien, après. Merci d'avoir Rosien pour te faire un petit chemin de vie. Donc, vous voyez que par les lettres, les initiales de mots, quand c'est logique, on prend la même phrase, Yesh Hachem Bama Koma, on prend cette section, non pas la modalité, on passe en deux, en deux sections, ça marche pas. Si ça marchait, vous pourrez faire ça avec le journal, avec le livre de Karl Marx, et ça marcherait aussi. Donc, il faut que ce soit quand même logique. Vous savez que la tribu de Siméon, Shimon, n'a pas été bénie. Et ni par Yaakov. Et à partir de ça, on ne sait pas pourquoi, on n'en comprend pas. Mais quelque part, on peut penser que la bénédiction de Shimon se trouve inclus dans celle de Judas et de Lévi. Et je vais vous donner une indication qui va dans ce sens. Quand Moïse bénit Judas, les mots qu'il donne, donc des plusieurs mots, plusieurs phrases, le premier mot c'est « Shema », ça veut dire « écoute ». Dieu écoute la parole, la voix de Yehuda. Mais Shema, c'est aussi les trois premières lettres du mot Shimon en hébreu. Shimon, ça s'écrit comme ça. Shimon en hébreu, c'est Shin, Mem, Vav, Ein, Shema, on se dira Shimon. Donc là, le premier mot qui décrit en fait la bénédiction de Yehuda commence par Shimon, par les lettres de Shimon. Et ce qui est intéressant, c'est que le dernier mot qui décrit la bénédiction qui suit, qui est celle de Lévi, finit par ces deux lettres-là. Ça veut dire que, je vais vous donner les... Vous avez des références dans les textes. Ça veut dire qu'en fait, quand on lit, on voit que Shimon n'est pas béni par Moïse, on voit que la bénédiction de Judas, qui commence par Shema, ça veut dire écoute, et que la bénédiction de Lévi qui suit se termine par le mot, que je dise pas de bêtises, par le mot voilà, Shema, Yakumun. Le mot Yakumun, c'est le dernier mot qui finit la bénédiction de Lévi. Donc, encore une fois, Moïse parle, il parle à Yehuda, et il parle à Lévi. Et il commence par dire Shema, et il commence à parler à Lévi, le dernier mot qui est Yakumun. Donc, on voit que le premier mot et le dernier mot font le nom dans l'ordre de Shimon. Donc c'est une indication pour comprendre que la bénédiction de Shimon, qui n'est pas apparente en surface, elle est inclue dans celle de Judas et Lévi. Ça, c'est un exemple. Maintenant, il y a aussi des lettres qui se mélangent.
quand il y a écrit en Égypte, dans le livre de l'Exode, vous savez que le livre de l'Exode, en hébreu, on ne dit pas l'Exode, on dit Shemot, qui veut dire le livre des noms en hébreu. Or, c'est très très intéressant de voir que tous les noms sont cités, sauf le nom du roi d'Égypte. Pourquoi on ne dit pas son nom? C'est le livre des noms. On dit qu'un nouveau roi d'Égypte se leva sur un nouveau roi se leva sur l'Égypte. Mais on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi. Donc ceux qui décrivent ce roi, ce sont les mots, Melech Hadash, Vayakam, Melech Hadash al Mitzrayim. Donc Melech Hadash, ça veut dire nouveau roi, c'est ce qui décrit cet homme-là. Alors je vais prendre les lettres qui sont autour de ce roi, et je vais voir que ces lettres forment en fait un autre mot qui est intéressant. Si j'arrive à effacer tout ça une seconde. Voilà. Regardez, je vais bien vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer ici d'abord au Rav. Et ensuite, je vais vous montrer à vous. Vayaka. J'écris les lettres sans les lettres sophiques pour que vous compreniez. Vayaka, c'est ça. Vayakom. Vayakom, Melech Hadash. Al Mitzrayim. Ok. Ça ici, c'est le mot Melech Hadash qui veut dire nouveau roi. Et se leva un nouveau roi sur l'Égypte. Ok. Ici. Et se leva un nouveau roi sur l'Égypte. Maintenant, quand je prends ce qui coince ce roi ici, ce qui entoure, il y a deux lettres ici, il y a deux lettres ici. Ils forment le mot Amalek. Donc, je vous dis aussi à vous, les deux lettres qui sont avant, ils font partie d'un mot. Les deux lettres après, c'est intéressant parce qu'elles forment le mot Amalek. Amalek, c'est l'ennemi juré d'Israël. Il existe un autre peuple qui a la force d'Israël, mais qui est aux antipodes d'Israël, qu'on appelle Amalek. Aujourd'hui, les gens disent qu'il n'existe plus, mais je pense que c'est complètement faux. Je pense qu'il existe, oui. Oh, il y a d'autres qui sont there? Maybe you can use different colors. Okay. Voilà. Vous voyez mieux maintenant? Ici on a un exemple, encore une subtile indication pour vous dire que ce roi d'Égypte, et bien ce qui l'entoure, c'est Amalek. Mais ce ne sont pas les lettres dans le bon ordre. C'est Amalek qui est caché. Mais quelque part, c'est ça qui le met au pouvoir. C'est cette force-là, c'est ce peuple-là. Et vous pouvez dire, bon, mais peut-être que c'est au hasard, peut-être que ces lettres sont comme ça, mais dans la Torah, c'est pas comme ça. Chaque chose est précise. Et si vous avez un juif qui étudie la Torah et qui voit ça, c'est une preuve que c'est pas au hasard. C'est une preuve que c'est ça. Et à mon avis, quand vous allez commencer à étudier la Torah, et quand vous allez commencer à comprendre et à rentrer dans la Torah, vous allez voir. Vous allez comprendre des choses, à mon avis, que peu de gens peuvent comprendre aujourd'hui, même dans mon peuple pour l'instant. Hélas. Donc, maintenant, nous avons. Ok. Maintenant, nous avons fait le tour de toutes les façons, pas toutes les façons, mais au moins celles qui sont les plus faciles de comprendre la Torah. En essayant de comprendre ce qu'il y a écrit entre les lignes, c'est-à-dire par toutes ces petites méthodes, par tous ces indices, toutes ces indications. Maintenant qu'on a fini avec ce texte-là, on va juste faire, il ne reste pas beaucoup, il nous reste encore deux pages, on va vous parler de ce que les sages, parce que je vais vous dire une chose, beaucoup de monde
dans le monde juif, non-juif, vont vous dire « Oh, nous, on croit dans la Torah. On croit dans l'Ancien Testament. Mais on ne croit pas dans la Torah orale. On ne croit pas dans ce que disent les sages. On n'y croit pas, ce sont des bêtises. » Et je vais vous dire la vérité, moi, c'était pareil. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la Torah, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ces sages d'Israël ?» Ils disent n'importe quoi. Il y en a un qui dit « noir », l'autre qui dit « blanc ». Les deux ont raison, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est en enquêtant que j'ai compris que, en fait, les sages parlent avec sagesse. Et comme j'ai toujours dit à tout le monde, les Chinois parlent en chinois, les Allemands parlent en allemand. Les sages ont aussi un langage, qui est le langage de la sagesse. Alors ils vont parler avec des allusions, avec des allégories, vous comprenez? Ils vont parler d'une façon poétique. Ils vont faire semblant de s'opposer, de faire des disputes. C'est pas vrai? Et je vais vous prouver tout ça. Ne tombez pas dans ce piège, ne pensez pas que les sages d'Israël font des disputes. Il n'y a aucune dispute. Il n'y a que des faux semblants. Ils donnent seulement un point de vue différent sur la même chose. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a un livre qui s'appelle le livre du juste. En hébreu, Sefer Hayashar. C'est un vieux livre. Je ne sais même pas qui c'est qui l'a écrit. Je veux dire, c'est très très accepté dans le judaïsme. Le livre de la droiture. Et dans ce livre, on parle, vous savez, du père d'Abraham. Il s'appelle Terah. Et dans ce livre, on nous dit que Terah était le chef des armées de Nimrod. Le commandant en chef des armées de Nimrod. Ok. Mais, dans un autre livre, je crois que c'est le Midrash Rabbah, on nous dit, voilà, dans le Midrash Rabbah, qui est un autre livre, on dit non, Terah n'était pas le chef des armées. Il avait un magasin où il fabriquait des idoles et il vendait des idoles. Alors, je me dis, quelqu'un doit avoir raison, il y a raison. C'est là que je veux que vous concentriez avec moi, concentrez-vous bien. Et là, vous allez comprendre l'intelligence de ces gens-là. L'intelligence, c'est incroyable. Je vais vous dire comment ils font. Pour raisonner, il vous faut des informations. Vous ne pouvez pas raisonner sans renseignement, sans information. L'information que vous avez besoin de savoir, c'est que Nimrod, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Nimrod qui veut dire « rebellons-nous », était un rebelle devant Dieu. Il avait fait une guerre à Dieu. Comment on fait une guerre à Dieu? Avec des flèches? Avec des tanks? On fait une guerre à Dieu avec d'autres dieux. On fait une guerre, on déclare la guerre à Dieu, on détourne la foi, on détourne les croyances des gens qui croient en Dieu, on détourne cette énergie-là, on détourne cette foi vers d'autres dieux. Et donc Dieu ne reçoit plus l'attention, l'amour et la confiance des gens, et c'est comme ça qu'on peut faire une guerre à Dieu, c'est comme ça que cet homme-là a commencé à déclarer la guerre à Dieu, avec d'autres dieux. Si vous comprenez ça, donc vous comprenez que Terah, qui avait un magasin, qui fabriquait des idoles et qui fabriquait des dieux, était en fait le chef des armées de Nimrod, puisque ces dieux-là étaient l'armée de Nimrod. Vous comprenez? Tous ces petits dieux, ces idoles qu'il fabriquait, étaient en fait l'armée, entre guillemets, de Nimrod. Donc si vous comprenez que, avec des dieux et des idoles, on fait la guerre à Dieu, et que si vous comprenez que Terah fabriquait les idoles, donc vous savez que les deux livres ont raison. Celui qui dit que Terah est le chef des armées, il a raison. Celui qui dit que Terah avait un magasin et fabriquait des idoles, il a raison. C'est la même chose.
Vous comprenez? Mais ils donnent chacun un œil différent sur la même chose. Et c'est ça en permanence chez les rabbins. Ils ne vont jamais vous dire exactement de quoi il en est. Ils vont toujours vous donner des indications de façon à vous amener vous-même à comprendre ce qu'ils veulent dire. Ils vous amènent dans la bonne direction. Ils font comme ça, hop, 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 hop. Mais ils vous amènent pas jusqu'à là-bas. Ils vous indiquent le chemin. Tout comme Abraham faisait à l'époque. Donc c'est très important. Ne tombez pas dans ce piège de penser que les rabbins, que les sages peuvent se tromper ou sont en opposition. Parce que c'est pas vrai. Ils sont jamais en opposition. Ils vont toujours vous donner une partie, une facette de la vérité. De façon à ce que vous compreniez les autres facettes. Maintenant, il y a un autre exemple de la sagesse, de l'intelligence de ces gens. Il est une histoire, je crois que c'est dans le Tikkuné Zohar, je crois que c'est dans le livre du Zohar, qui est écrit sur quatre rabbins qui décidèrent d'aller dans un pardès en hébreu, c'est-à-dire un jardin, un très beau jardin, un jardin fantastique. Et les quatre pénétrèrent dans le jardin. Et ce qui se passe, c'est que seulement un est sorti intact, sans dommage. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes, un qui est mort, l'autre qui est devenu fou, l'autre qui s'est renversé, qui est devenu l'inverse d'un rabbin. Et il y en a un qui est arrivé à sortir et qui est arrivé jusqu'à la fin. Et donc, ça c'est une histoire. Je ne peux même pas savoir que... Sans essayer de comprendre cette histoire, je vois que le pardès en hébreu, que le jardin, pardès, désigne un endroit où sont partis quatre rabbins. Mais je sais aussi que le mot pardès en hébreu, et ça ce sont les mêmes rabbins qui me le disent, les mêmes rabbins qui me le disent, le mot pardès en hébreu désigne aussi les quatre niveaux d'études de la Torah, qui sont en hébreu le pshat, le remes, le drach et le saut, ça veut dire en fait la lecture simplifiée, la lecture avec des indications, avec des indices, ensuite quand on creuse, et enfin quand on arrive au secret de qu'est-ce que veut dire tout ces livres-là. Donc, d'un côté, je sais que le pardès, le jardin, représente un endroit, et d'un autre côté, je sais que le jardin représente les quatre niveaux de l'étude de la Torah. Et c'est là que je comprends que cette histoire et ça sont les mêmes choses. Parce que ne croyez pas que les quatre rabbins sont partis dans un pays comme Alice au pays des merveilles, mais en fait, ça vous explique que quatre rabbins qui ont étudié la Torah, seul un sur quatre est parvenu à sortir de ça. C'est celui qui est arrivé jusqu'en profondeur, qui est arrivé jusqu'au secret. Celui qui reste en surface dans l'étude de la Torah se perd. Celui qui reste un petit peu en dessous de la surface, il se perd. Celui qui reste un petit peu là, je suis presque jusqu'au bout, mais qui ne va pas jusqu'au bout, il part. Seulement celui qui arrive jusqu'au bout, il peut sortir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre de la Torah, si vous comprenez les choses qui sont plus en surface, et si vous étudiez ces livres-là à la légère, de façon superficielle, tout ce que vous croyez est faux. Et tout ce qui est écrit ici est vrai. Tout ce qui est écrit dans ces livres-là sont vrais. Mais votre imagination, votre pensée, votre approche est fausse. Parce que vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout pour comprendre ces livres. Vous ne pouvez pas les comprendre si vous restez en surface. Si vous avez une approche enfantine un petit peu de ce livre. Et bien ça c'est la dernière chose. Et je pense qu'après on peut peut-être aller manger parce que je suis un petit peu fatigué, on va peut-être faire une pause. On va peut-être s'arrêter un petit peu. Et il y a un dernier exemple que je voulais vous dire. Et ça je vais noter aussi pour moi.
pour Laura. Et ici, et une seconde pour eux, pour vous. Tac. Avec le feutre noir, ça y va, peut-être pas. Voilà. Je vais vous montrer, c'est très important, c'est la dernière chose, une seconde, ne dis pas de bêtises. Voilà. Ok. Vous connaissez l'histoire du serpent d'Abraham, qui est Eliezer. Abraham avait un serpent qui s'appelait Eliezer. Et quand il a voulu marier Yitzhak, il a dit à Eliezer, son servant, « Va me chercher une femme pour mon fils Yitzhak. » Ok, il est allé, il a trouvé Rivka. Et maintenant il parle à Laban. Et Laban, il ne veut pas lui donner Rivka, il joue des jeux avec lui. Alors le servant d'Abraham dit, « Écoute, soit tu me dis maintenant, tu me la donnes maintenant, soit j'y vais ou à gauche ou à droite. » Et là, nos sages nous disent, qu'est-ce qu'il veut dire par à droite ou à gauche? Il veut dire, soit j'irai voir les Arabes, soit je prendrai une femme de chez les Arabes, Ishmaël, soit je prendrai une femme des fils de Lot. Alors, ceux qui ne croient pas trop dans les sages, ils peuvent dire, bon, c'est eux qui inventent. Et d'où ils sortent ça? Il y a un sage qui s'appelle Baal Atourim, en hébreu. Et en fait, ce sage fait aussi beaucoup de comparaisons avec les valeurs numériques. Et il dit que la valeur numérique en hébreu à droite et à gauche, les Yemin ou les Small, ça a la valeur de Ishmaël et Amon. Et c'est là que l'anagramme est important. Parce qu'en hébreu, regardez, il dit comme ça, je vais écrire. Yemin O Al Small. Et Small est écrit bien entendu sans la lettre Vav. Donc ça c'est ce qui est écrit ici. C'est ce que Eben Abraham Eliezer il dit à Laban. On dit l'air al Yemin, on dit l'air al Small. Voilà ce qu'il dit. Il dit j'irai soit vers la droite, soit vers la gauche. Mais quand on fait l'anagramme des mots, okay, on trouve soit j'irai les ish ma elle. Alors je vais dans ici les i. Ishmael, Ishmael, sorry, ici, les Ishmael, non, ici, il en prend pas une seconde, ça reste ici, les Ishmael, les Ishmael, voilà, et encore une fois ici, oh, les Amoni. Et là, on prend l'anagramme, je vais monter au ref. Al-Yemin. Al-Yemin ou Al-Smol. Osim. On change les lettres, ça fait les Ishmael ou les O, les Amoni. Et ça, ce sont les mêmes lettres qui s'interchangent. Donc ça, c'est la preuve. Je vais vous montrer ici. Ce que dit ici Eliezer, en anagramme, prouve que ce que disent les sages est vrai. Le texte dit.
Et les rabbins, les sages de la Torah, utilisent ces méthodes-là pour eux-mêmes comprendre et vous expliquer.